Coucou, bonjour à tous, bienvenue. Voilà, on attend que ça se met en route. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce petit live en direct ce matin. Salut Dimitri, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Ce matin, c'est international, hein. On a Dimitri qui est en Égypte en ce moment. J'espère que le confinement pour toi, ça va, que c'est pas trop difficile. Voilà, on va attendre que tout le monde se mette en place. Quand vous arrivez, mettez-moi des petits pouces. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier, pas trop courbaturée de ce qu'on avait fait, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui, il y a du soleil. Toujours en direct de la boutique. Coucou Véro, coucou Mélanie, coucou Susanna, coucou ma Louise qui me regarde certainement aussi là-bas derrière son petit écran. Voilà, voilà, salut Cécile. Bien, 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 bien. Si la connexion est bonne, si le son est bon, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut que je puisse voir un peu si tout le monde est bien connecté. On est à 10 personnes pour l'instant. Donc pas de prise de tête hein, ce matin, je vous ai dit, on prend un tapis, une serviette, une bouteille d'eau, on a besoin de petits matériels ou pas, le manche à balai, bon bah, à moins que vous voulez faire un cours de pole dance autour du manche, mais bon, j'ai pas forcément de manche à balai ici, je me suis pas baladé dans la rue avec mon manche à balai. Salut Gwendoline, salut Charlotte. On a prévu des petits poids, vous avez peut-être chez vous des bouteilles d'eau, des petites choses qui peuvent faire office de petits poids. S'il n'y a pas de poids, c'est pas grave, on s'ajustera, on s'adaptera, on peut tout faire sans charge, ça marche aussi. On fera des séries un petit peu plus brûlantes, un petit peu plus chaudes. Côté son, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que la connexion est bonne? Mettez-moi des petits pouces, que je puisse vérifier tout ça. Il y a un manche à balai derrière, me dit ma femme. Forcément, on fait le ménage à la boutique aussi, hein. Toujours en direct de la boutique de Marc en Barœul qui est pour l'instant fermée. On espère que ça reviendra vite et que vous pourrez revenir prendre du plaisir à faire un petit peu de shopping avec nous. Et qui sait, peut-être un cours en live ici directement, un de ces quatre. Voilà, j'ai fait le mauvais. Quoi, le direct, ça s'improvise pas, on est sans filet, on est à 16 personnes pour l'instant. Voilà, j'ai vu de temps en temps, je vous envoie des petites recommandations. J'ai également une page Facebook, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je rediffuserai tous ces petits lives, bien entendu, pour les gens qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Voilà, dites-moi un peu à la maison là ce que vous avez comme matériel, envoyez-moi des petites notifications. Ah, Susanna Almanche, parfait, c'est beau ça. J'ai vu ton petit tag et ta petite vidéo avec le gars qui tient le manche à balai, on sait pas trop ce qu'il va faire avec. Mais tiens, bon le manche du bon côté en tout cas. Voilà, toujours les petits, dites-moi ce que vous avez comme matériel. Et surtout, est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez mangé suffisamment tôt pour pas l'avoir sur l'estomac? On essaiera de mettre un maximum d'options. Voilà, on est 15 personnes, on va se laisser encore deux petites minutes pour se mettre en route. Bon, j'espère que tu as la pêche, toi Dimitri, qu'il fait beau là-bas chez toi, que c'est pas trop difficile le confinement loin de la famille. Jusque-là, ben, tu avais le beau temps, la mer, les beaux poissons, tout ce qui va bien avec. J'espère que ça va revenir très vite. Tu feras un petit coucou à Séverine pour moi et garde la forme. Tiens bon, mon pote, finalement, je vois qu'on n'est pas tous égaux devant le confinement. Là-bas en Égypte, on est un peu en mode dictature, on m'expliquait, donc voilà, ils n'ont pas trop leur mot à dire, c'est peut-être un petit peu plus hard que chez nous, on voit encore des gens se balader, surtout restez chez vous, gardez bien les gestes barrières, on est toujours dans cette idée de faire des cours ici en live pour que vous puissiez rester à la maison, bouger, faire du sport, aérez-vous un petit peu l'esprit, c'est balcon, jardin, etc. La semaine prochaine, on essaiera de faire des choses un peu différentes encore. Je vais voir si on peut même peut-être caler une séance que vous pourriez faire à la maison avec les enfants. Si ça vous intéresse, mettez-moi des petits pouces vers le haut, des petites choses simples, des petits yoga des enfants, des petites choses qu'on peut faire papa, maman, ou des petits exercices de renforcement tout simples, mais très accessibles. Voilà, 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 voilà. Manche à balai, manche à balai. Je vois que le manche, ça a été, hein. Pour certains, vous avez tous un manche à balai à la maison, c'est sûr. Poids de 1 kg, c'est parfait aussi. Attention les kettlebells de 3-4. Bien, 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 bien. Bon, je vais voir vite fait, je vais chercher le manche. On se laisse encore une petite minute. N'hésitez pas à taguer, inviter des amis si vous avez des amis qui sont intéressés sur le live en tant que vidéo.
Prenez-vous en photo en train de pratiquer le cours également. Partagez-les sur vos pages avec juste la petite application, bah, soit le groupe Esprit Détox, Life Forever ou tout simplement Gym's Coaching. Si vous voulez me faire, voilà, c'est pas des cours rétribués, je touche pas d'argent là-dessus, c'est juste vraiment histoire de partager quelque chose avec vous. Juste un petit partage, un petit pouce me ferait vraiment le plus de plaisir. Bon, je vois que la majorité c'est le manche à balai, je vais chercher le mien, j'arrive tout de suite. Voilà, il est là ce manche, je le tiens ici par le bon bout. On s'en servira pour peut-être garder une posture bien droite au niveau de vos exercices de cuisses. Tout ce qui est fessier peut-être pour s'en servir, faire un petit peu de taille. Les bouteilles d'eau, ça peut remplacer les petites haltères. Bon, allez. Après, balancez-moi plein de petits pouces, plein de petits cœurs, que je puisse voir si tout le monde est en place. Pour l'instant, j'ai 12 personnes. Un maximum de pouces de cœur pour montrer que vous avez la pêche et on décolle. Tant qu'il n'y a pas de pouce, je ne démarre pas. On restera là à parler, tout simplement. Oh, le gars qui se fait pas de la promo du tout. Je vous épargnerai le merveilleux, mais alors là, je veux voir des pouces dans tous les coins, à droite, à gauche. Allez, faites-moi 2-3 petits pouces, qu'on décolle. Vous me direz pendant si on a juste la musique, le son. Est-ce que la connexion est toujours bonne pour vous? Est-ce qu'on démarre? Est-ce qu'on décolle? Ah, parfait! Allez, go! Vous avez fait un petit peu d'espace autour de vous. Vous êtes arrangé pour avoir tapis de serviette. Le matériel, pour l'instant, vous le décalez sur les côtés. On va se faire l'échauffement. Vous avez la bouteille d'eau pas loin également. N'hésitez pas à prendre des pauses, des petites options. Oh là là, il y a un océan de petits pouces. Ça fait vraiment plaisir. Allez, j'envoie la musique et on décolle. Dites-moi si à niveau sonore, là, la musique, ça va. C'est bon pour vous. Alors, si vous êtes prêtes et prêts, c'est parti pour 3 quarts d'heure de folie, top chrono en route. Allez, let's go. Bien, 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 bien. Allez, ici, je sais pas si vous êtes derrière un écran, derrière une télé, derrière un téléphone. En tout cas, moi, je suis prêt. Allez, inspiration, levez les bras jusqu'en haut. Voilà, excusez-moi, il y a une petite coupure, je viens de couper un appareil qui était connecté, j'ai voulu jouer le double live aujourd'hui, on va s'en tenir à celui-ci, ça devrait aller un peu mieux. Est-ce que c'est bon la connexion pour vous? Est-ce que c'est revenu? Moi je vous vois, je pense que oui. Au pire, n'hésitez pas, hein, je vous la mets en replay dans tous les cas, mais normalement ça devrait le faire. Allez, on y va, je vois que les gens se reconnectent. Inspirez, levez les bras, expirez, redescendez, n'oubliez pas. C'est l'heure de transpirer. Allez, squat ta plateau. Alors la musique, je la garde toujours en support. C'est de la musique libre de droit. Pas très calé musicalement sur les rythmes, les bons tempos. Gardez juste ça comme un support pour bouger. Promis, dès que ça ira mieux, on trouvera des choses plus carrées. Allez, la même chose vers le haut. Mais faites attention à bien mettre les manches à balai, bien excentrer les petites haltères, les bouteilles d'eau. Faites bien place nette autour de vous pour ne pas vous blesser à la maison, c'est pas le moment. Allez, j'engage le haut du corps. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Quelques rotations ici devant, twistez la taille. Voilà, j'utilise les cuisses. Et n'oubliez pas, redressez la posture. Élargissez le sourire, important. Pour la petite anecdote, vous ne voyez pas, mais là-bas derrière la vitre, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques semaines, on a des oiseaux qui veulent rentrer dans la boutique. Je crois que la nature reprend ses droits. Là, même en haut, ils doivent se dire pourquoi moi je ne ferais pas un peu de shopping. Allez, 4 fois, 3 fois. Les talons vont monter sur les fessiers, préparez vos cuisses. Voilà, je viens de la vérifier de temps en temps. Hein. Pour voir si tout est bien calé musicalement, si le son c'est bon, dites-moi.
Parfait. Allez, continue à monter les talons sur les fessiers. Voilà, encore 5 secondes. 4, 3. Et on vient lever les genoux sur les côtés, les grands genoux. L'idée, c'est de préparer votre corps, d'activer un maximum de groupes musculaires. Vous devez être chaud et prêt pour le travail. Au programme, un peu de cuisse, un peu de bras, un peu de fessiers, un peu d'épaule, un peu de tout. Voilà. 5 secondes. 4. Allez, genoux sur le côté, ici en bas, plein de genoux répétition. Descendez bien dans la jambe d'appui, serrez-moi ces abdominaux, ouvrez-moi ce muscle. Encore 4, 3, la même chose de l'autre côté. Allez, 16, on descend bien. Voilà, pensez à bien respirer, activez vos bras. Un petit peu plus bas, encore pour 8. 6, voilà, excellent. Step touch sur la droite, step touch. Les grands bras devant vous, continuez à serrer les omoplates. Parfait. Voilà. Là, votre cœur commence à accélérer, c'est signe que vous vous échauffez. On fait monter la fréquence cardiaque. Si c'est déjà trop dur, on peut tirer les bras. Ou bouger moins fort. Voilà. La même chose, un petit peu plus bas dans les cuisses, un petit peu plus lent. Je vais du bas vers le haut. En gardant une belle posture. Step. Touch, step, touch, step and touch. Yes, 4, 3, on active les bras ici vers le plafond, on tire vers le bas. Omoplate, fixe, push. On essaie de faire pour l'instant un maximum sans matos pour permettre à ceux qui n'ont pas trop de matériel à la maison de travailler avec nous dans la forme et la bonne humeur. N'oubliez pas de serrer dans le dos. Allongez la nuque, fléchissez nos cuisses et serrez votre ventre. Relâchez un peu, enroulez. Voilà, vous allez faire des grands cercles avec les bras. Hop, hop, hop. Allez, encore 4, 3, 2. Voilà, fixez la position, petit cercle vers l'arrière. On chauffe un peu le haut. Les abdos serrés, poussez les fessiers vers l'avant, la même dans l'arrière. Je vais ajuster un petit peu le son. J'ai l'impression que ça va un peu fort. Voilà. Parfait. Faites-moi des petites fermetures, ouvertures devant la poitrine, à hauteur du cœur. Au-dessus, en dessous. Toujours en gardant les abdos fléchis. Ça prépare les cuisses aussi. Et la même chose, un petit peu plus à hauteur du front. Serre. Contractez la poitrine. Levez un petit peu vos bras en gardant vos épaules bien basses. Voilà, on monte pas trop dans les épaules. Ça c'est serré, ça c'est fixé, ça c'est plié. Allez, encore. 8, 7, 6, 5. Faites-moi des grandes. 3. Deux, changement de mouvement, fermeture, ouverture, devant. Yes. Ça, c'est bon pour raffermir la poitrine. Mais n'oubliez pas d'ouvrir le buste. Inspirez, expirez. Allez, 8, 7. On est toujours en mode échauffement, les préliminaires, comme je vous appelle d'habitude. 4, 3, 2. Relâchez, enroulez. Allez, secouez-moi tout ça, je vous laisse passer par la bouteille d'eau, me mettre 2-3 petits pouces pour me confirmer que chez vous tout va bien, que vous êtes échauffé, que la musique va bien, que le son est bon. On prendra des petites pauses comme ça de temps en temps, hein, surtout. Voilà. Hydratation, un petit clin d'œil à mon club des Vikings. Viking football américain à Vinodask. Là, le championnat est terminé, la saison est morte. Ben voilà, on avait un match demain, c'est cuit, c'est grillé, c'est pas grave, ce sera pour mieux rebondir l'année prochaine. Hein. Allez, un petit coucou aux Vikings en attendant, s'il y en a qui sont là, si vous connaissez les gens qui jouent. On prend le manche à balai, on y va, c'est parti. Si vous n'avez pas de manche à balai, c'est pas grave. Vous imaginez que vous avez un manche à balai dans les mains. Le but, ça va être de vous grandir, de garder une posture bien droite.
Allez, on va commencer par un petit peu de cuisse. Ce bâton, vous n'appuyez pas dessus. Vous ouvrez ça, vous serrez ça. Fléchissez un peu. 2 secondes vers le bas. 2 secondes vers le haut. En bas, en bas, en haut. Vous avez les genoux en ligne avec les pointes de pied. Légèrement poussé vers l'extérieur. Attention, si vous avez tendance à avoir les genoux qui rentrent, il faut imaginer que vous poussez les murs sur les côtés avec vos genoux. Voilà. Cherchez pas à descendre trop bas. Ça chauffe progressivement. J'appuie dans mes talons, je pousse du bas vers le haut. Yes. Le bâton, vous ne l'avez pas mis dans la nuque, mais un petit peu plus bas dans le dos pour garder une posture bien ouverte, n'est-ce pas? 3 secondes de descente. 3, 1. Inspire, expire. Toujours en gardant vos abdos bien serrés pour soutenir vos lombaires. Un regard lointain, fixé sur l'horizon. 45 degrés d'inclinaison, ça passe mieux pour le dos et les fessiers. Ok, si bien. En bas. En bas. Continuez à faire des mouvements légers, souples. Down, up, down, yes. Si c'est trop difficile, travaillez plus court. Travaillez plus lentement. C'est votre choix, mais bougez. Allez, encore. 16, 15, 14, 13. Tous les coudes vers l'avant, vous laissez pas partir. Allez, la même chose encore 8 fois. 7, 6, 5, plus que 4. On attaque la série brûlante en bas. Tout petit. Squeeze, squeeze. Léger. Oh, oh. Continuez à ouvrir. Respirez. Si jamais ça chauffe de trop, remontez un peu. Si ça chauffe pas assez, descendez plus bas. Voilà, il y en a pour tout le monde ce matin. Allez. La même chose. Encore 15 secondes. 15 petites secondes. Wow, wow, wow. Oh, je vois que ça commence à déhancher du bassin. La musique a l'air de vous plaire. 8 secondes. Allez, 4, 3, 2. Remontez, marchez un peu. Relâchez légèrement le bâton. Utilisez un petit peu vos cuisses. Ça va toujours? Vous tenez pas le bon bout, j'espère. Hein, il y en a qui m'ont ramené un petit peu ce matin. C'est normal, c'est la cure. Allez, on replace le bâton à nouveau derrière. On va y aller un petit peu plus sur les fessiers maintenant. Je mets de profil pour que vous voyez bien. Jambe gauche derrière, jambe droite devant. 20 mètres entre les deux jambes. Je me redresse, je regarde loin. J'abaisse mes épaules. On va fléchir la jambe arrière doucement. Sur deux, remonter sur deux. Laissez la jambe avant suivre. En bas. En haut. Vers le bas. Toujours en gardant un dos bien droit, votre genou juste en dessous de votre hanche. Yes. Fléchissez, serrez les fessiers dans la remontée. Flex, flex and push. Vous voyez le petit pouce, je vous en envoie aussi à distance. Voilà, excellent. On fait la même chose un peu plus vite. 16 répétitions. 16. 15. Ça glisse un peu chez vous, comme chez moi ici, resserre un peu vos appuis, assurez-vous de bons appuis, vous faites pas mal, ne glissez pas, hein, c'est important. Allez, 4, 3, encore 2 fois, 2, encore un doublon, 1, retracez au milieu, jambes ouvertes, flex, flex and reset, ouverture. Ça, c'est pour les adducteurs. On prend le temps de se replacer, de respirer. Pas appuyer sur le bâton, c'est important. Gardez-moi ça serré. Awesome. Alors, on va le faire ensemble. Voilà, attention. Reste en haut, pivoter de l'autre côté. Même posture, genou sous la hanche. Flexion de temps. Faites bien attention sur la jambe avant, votre genou. Ne doit pas dépasser la pointe des pieds, on reste bien au-dessus des chevilles. Derrière, c'est sous le bassin. Inspire. Expire. Tenez-vous droit, regardez loin devant. Yes. C'est excellent. Parfait.
Ça sent l'odeur du travail bien fait, même d'ici, hein, je peux le sentir. Single. Ah. Voilà. Si c'est difficile, je descends moins bas, je vais chercher un peu moins loin. Mais surtout, je continue à bouger. Important. Bouger, brûler des calories. En bas, hanche, en bas, hanche. On en fait encore 4 comme ça. Plus que 4. 4, 3, 2, retour au milieu, ouverture, flex, push. Activez vos adducteurs, contractez l'intérieur des cuisses, refermez l'espace entre vos genoux. Voilà, les sensations sont bonnes, ça commence à venir. Allez, blocage en bas, stop. Posture, inspiration, ouverture, axe. Et là, ça commence à chauffer, je le sens, ça vient. 8 secondes. 7, 6, 5. Je sens que ça chauffe. Dans 4, dans 3, dans 2, dans 2, dans 2, dans 2, dans 2, dans 1. Remontez, marchez. Allez, on va poser le manche à balai. Vous êtes toujours avec nous. Rebalancez-moi 2-3 petits pouces. Est-ce qu'au niveau du son, pour vous, c'est bon? Dites-moi. Prenez le temps, ça vous permet de récupérer, de vous hydrater également. Allez, 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 allez. En tout cas, Dimitri en Égypte nous entend, donc c'est que ça roule. Allez, un petit peu de matos, halter, pas d'halter, ou tout simplement une ou deux petites bouteilles d'eau, ça fera l'affaire. On bascule un peu le travail sur le haut du corps. Allez, parfait. Hop. On va ajuster le niveau sonore toujours. Voilà, excellent. Toujours cette position de départ. Vous êtes semi-fléchi sur vos appuis. Vous ouvrez un petit peu pour lâcher tout ça. Vous serrez là, vous ouvrez ça surtout. On va commencer avec quelques mouvements de biceps. Flexion avant-bras sur bras. Tranquillement, ça monte. Alors moi ici, j'ai pris des petits haltères de 1,5, j'ai pris ce que j'avais à la maison, peut-être qu'on a besoin de plus, besoin de moins. Si jamais les mouvements vous paraissent trop faciles, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit les accélérer sans charge, ça permet de travailler aussi. Soit contracter plus fort vos mains si vous n'avez pas de petit poids chez vous. Si jamais c'est trop difficile et que vous voulez quand même utiliser vos charges, vous pouvez prendre des petites pauses supplémentaires. Voilà, j'expire à la montée, j'inspire à la descente. Du haut vers le bas, ça monte, ça descend. Attention à bien tendre les bras, n'exagérez pas particulièrement. Et gardez les épaules basses. 7. Allez, encore 6. Encore 5. Idem, pareil, j'ai pas de poids à la maison, je trouve ça trop facile. Pourquoi j'ajouterais pas une petite flexion si aujourd'hui je m'en sens capable, si j'ai la forme. Attention, 3 petits pulses en haut. 3. 2, 1, en bas. Je vais chercher l'extension complète, enfin presque complète dans la descente. Là, ça me permet de récupérer un peu. Allez, continuez à bien travailler. Impec pour Charlotte, ouf pour Susanna, parfait pour Elodie. On continue. 3 petits toujours. 1, 2. Rappelez-vous, si c'est facile, soit je travaille un petit peu plus vite, soit j'ajoute une petite flexion sur chaque petit mouvement. On reprend. Single, 1 et 1. En haut. En bas. Expire. Inspire. Ça doit chauffer quelque part ici, par là. À peu près au bon endroit. Voilà, parfait. Avec ou sans charge, je vais vous demander, après ces 8 répétitions-là, de mettre un petit peu plus de dynamique dans votre mouvement. Donner un peu de vitesse pour les 30 secondes qui vont suivre. Dans 4. Dans 3, toujours les jambes fléchies, dans 2, alors soit je dynamique ici, voilà, allez, dynamisez un peu ce mouvement pour 30 secondes, faites monter un petit peu le cardio, pour certains c'est là, pour d'autres c'est là, check, 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 hey, Dim, c'est juste pour toi, je fais les maracas, voilà, made in France mon pote, exporte-moi ça en Égypte, allez, top, 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 hop, hop,
courage, on a eu 30 secondes, on est à 20 secondes, il en reste encore 10. Évitez à votre corps d'aller latéralement, fixez le buste. 7, 6, 5, 4, 3, 2. On passe à un autre exercice. Décalez une jambe derrière, lâchez les épaules, fléchissez vos coudes. Élévation latérale. Deux temps vers le haut, deux temps vers le bas. Allez, inspire, expire. Hop, hop. Voilà, les disques, pardon, les haltères ou les mains sous les coudes et les coudes sous les épaules. Ça sert à rien de monter plus haut, vous allez vous abîmer tout ce qui est coiffe, tout ce qui est tête humérale. Voilà, juste bien contracté. Les options, plus large, plus ouvert, légèrement vers l'arrière. Hop, hop, down. Là, on fait chauffer vos épaules, mes amis. Vous le sentez important, vous travaillez vers l'arrière pour ouvrir la posture. Inspirez. Monte. Freine. Monte. Freine. Encore deux fois. On peut changer de jambe d'appui si on le souhaite. Prochain exercice, vous me faites la même chose vers l'avant. Allez. Hop. J'inspire, j'ouvre. À la charge, essayez de ne pas la monter plus haut que le cœur, maximum au niveau des épaules. Voilà. Toujours les appuis fléchis pour stabiliser. Voilà, un peu plus vite. Un. Toujours le même principe, hein. Trop facile, ajouter des mouvements. Trop facile, vous pouvez accélérer le rythme, c'est au choix. Même sans charge, hein. Je vais sur des petits mouvements un peu plus vite, j'ai les épaules qui vont chauffer, ça va travailler quand même. Et n'oubliez pas ça, gainer, serrer. Allez. On peut le faire plus lent. Avec charge. Avec cuisse. Hop. Encore deux. On va mélanger les deux mouvements. Vous allez m'en faire une sur le côté. Doucement. Ouvre. Ouvre. Et une vers l'avant. Voilà, j'inspire. Vous pouvez garder ce rythme-là. Ou alors, accélérer. Dans quel cas? C'est 1, 2, hop. Attention au mouvement de balancier. Vous choisissez votre option. Vous choisissez votre rythme. Charge ou pas de charge. Au choix. Mais un de chaque. Un côté. Plus facile. 90. Même que moi, ça me donne envie de danser. Oh yeah! Check it, 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 check it. Ok, un bras de chaque, un bras devant, un sur le côté. Un devant, un sur le côté. Ça donne ça. J'allonge un bras et je tire l'autre vers la poitrine. En gardant toujours cette distance et cette hauteur. Twistez pas trop les hanches. Droite, gauche. Option. Là. Plus rythmé pour ceux qui le souhaitent. Engagez-moi cette taille. Engagez-moi ces cuisses et ces épaules sans monter trop haut. Check et check. Oh. 7, 6, ou encore 4 pour les autres, ou 2 lentes. Enroulez vos épaules, respirez. Ça va? It's alright. Les épaules sont chaudes, le haut un petit peu travaillé. On va descendre un petit peu sur votre dos désormais. Toute cette partie-là, les fixateurs. Position de fente, main sur un genou, j'allonge le bras ici en bas. C'est comme le bûcheron ou la tondeuse. J'inspire et j'expire. De face, ça donne ça. Idem, option, sans charge, je tire plus fort. Je contracte mon dos volontairement. J'ai deux charges, pourquoi pas utiliser les deux ensemble? Vous avez le choix. 5 kilos par bras, mais qu'est-ce que tu nous as pris, Dimitri? Tu nous as pris des gemstones comme ça? Allez, courage, mon pote. Et en plus, j'imagine que chez vous, il doit faire bon en ce moment. Allez, 3 petits en arrière. 1, 2, 3. Et j'allonge, ça travaille dans cette portion-là de votre dos, un peu derrière les omoplates, derrière l'épaule. Visez le bas de la poitrine, gardez la nuque allongée, serrez le ventre.
pliez vos appuis. De 3, on passe à 7. 7, 6, contraction. 4, je contracte, j'ai pas de charge, mais je le sens. 1, j'allonge. Empêchez vos épaules de s'ouvrir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, on reprend. 7, 7, 6, 5, 4, allez, 3, 2, dernière fois 7 ou 2 fois 3, au choix. Parce qu'en 1 fois 7, combien de fois 3? 2 fois. Voilà, relâchez, enroulez-moi cette épaule, resserrez les pieds, posez les haltères, poussez devant vous, relâchez un peu ce dos. On relâche, la même chose de l'autre côté, en position. Pas de charge, une charge, pas. Position fente. Main en appui sur la cuisse. Bras devant. Palme. Inspire. Expire. Une charge, deux charges, pas de charge. Stabilisez vos appuis, visez bien sur le côté du cœur. On démarre la tondeuse. Alors ça me fait marrer parce que j'ai vu en ce moment des gens qui tondaient leur jardin à la tondeuse à cheveux. Vraiment le confinement, je crois que ça va nous rendre maso. Mais si ça vous éclate, je sais pas si vous voyez comme moi, je vois dans le haut de mon téléphone, hein, dans le haut du live, je vois les rayons du soleil. Hey, allez, on a le soleil, on a tout ce qu'il faut. Encore, inspire, expire, j'inspire quand j'ouvre la cage. Prêt, single, hop, hop. Yes, on se tonifie, on se dessine. Ajustez les positions, ajustez les postures à votre convenance pour être à l'aise. 3 petits derrière. 3, 2, 1, retour. Hop. Allez, be brave, on s'accroche. On est encore 10, excellent. Toujours 10, jusqu'au bout à 10. 3 par 3, on monte ces étages. Jouez la respiration. 1, 2, 3, last one. 4 fois 7 à tenir, on y va. Et le 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore, 7. Ne twistez pas vos épaules, n'ouvrez pas vos épaules. 5, parallèle au sol. 2 fois 7 ou 4 fois 3. Au choix, 3 fois 3, ou 1 fois 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez, enroulez, posez les haltères, poussez devant, voilà, allez, je sais combien vous aimez les pompes, on va passer un petit peu au sol, passer par la bouteille d'eau, toujours mes petits pouces ou mes petits cœurs pour l'interaction, pour montrer que vous êtes encore là. C'est le seul moyen de communication qu'on a, moi je vous entends pas, je vous vois pas. Donc les petits pouces, ça montre que vous êtes encore là, mettez-moi plein de petits pouces si jusque là ça vous convient. Allez. À votre santé. Le tapis de la serviette pour le passage au sol. Allez. Vérifiez qu'autour de vous, il y a toujours de la place. On va venir vous cogner la tête sur quelque chose qui serait autour. Voilà, parfait, ça réagit, c'est bon ça. Allez, en route. Les haltères, vous les mettez là, position pas loin, on sait jamais. Nickel. En temps en temps, je m'assure qu'on me voit bien dans la vidéo. Ici, ça a l'air d'aller. Position de pompe. J'espère que vous aimez les pompes. Alors là, je veux des petits cœurs, en veux-tu, en voilà dans tous les sens. Position de pompe. Sur les genoux, les pieds posés à terre. Vous me serrez ces abdominaux, vous m'ouvrez ces bras un petit peu plus larges que vos épaules. Les mains bien à plat. On va tranquillement descendre la poitrine vers le sol, repousser en gardant la nuque allongée et surtout pas le dos creux. Voilà, petite pré-fatigue musculaire pour la poitrine, on contracte ici au milieu, vers le bas. Vous trouvez ça trop difficile, il y a des options, shalom. Voilà, go crazy, you. Pareil, j'inspire,
J'expire, je repousse le sol dans mes mains. Hop, hop, hop. Yes. Allez, 8 singles à tenir, court ou complet, 8. Dimitri, je sais pas, tu peux me les faire sur les orteils. Ah, allez, encore 4. 3, gagnez-moi ces abdos. Option à genoux. Un blocage en bas, 2 secondes. 1, 2. Comment ça, c'est trop dur? Rien de dur. 1, 1 et 2. Tiens, j'en ai oublié les options. Vous n'avez pas les pompes, vous avez des problèmes d'épaule. Vous pouvez le faire avec les charges. 3 fois encore. 2 fois encore. 1, 1, 2, pouce. Dernière fois. 1, 1, 2, pouce. Remontez, passez au milieu, restez en bas. Fixez, fixez. Et relâchez. Allez, je vous invite à passer sur le dos avec ce que vous avez, vos bouteilles d'eau, vos petites haltères ou vos poids de 5 kg. Là, ça fait grosso modo 30 minutes qu'on est en route. Il nous reste un bon quart d'heure. Allez. Voilà, ici en position. La tête dans l'axe. Le bas du dos plaqué. N'hésitez pas à enlever un petit peu vos genoux. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise ou juste ici, vous serez moins stable mais mieux calé. On attrape les haltères. Ici à vos bras. Je vous montre. Voilà. On va venir viser la poitrine sur l'extérieur, sur l'axe du cœur. Inspirez et expirez pour refermer. 2 vers le bas. 2 vers le haut. Voilà. Sur l'axe de la poitrine. On garde les épaules bien dégagées. On ne crispe pas trop les bras. 90 degrés. Les coudes en bas. Single. En bas. Luxury, never luxury. C'est pas grave de prendre des options. L'idée, c'est de continuer à bouger, de brûler des calories. Vous, ce matin, vous faites quelque chose. Il y a des gens qui font rien. Ils sont dans le canapé, ils n'ont pas mis de tenue aujourd'hui. Ils vont rester en pyjama. Pour le moral, c'est vraiment pas bon. Rythmez vos journées. Inspire, expire, n'oubliez pas la respiration, important. Je souffle dans l'effort quand je pousse. Ok, changement de mouvement, cette fois-ci, pas de main face à face. J'écarte, j'ouvre, je fixe mes épaules. J'expire, je remonte. Le mouvement précédent, c'était une flexion. Le mouvement présent, c'est une ouverture. Allez, un peu plus vite. Ouvre, ouvre. Serre, inspire. Comme tout à l'heure, hein, vous n'avez pas de charge à la maison, c'est trop facile. Hop. Vous pouvez mettre un petit peu de rythme. Ça va chauffer autant que les autres, peut-être un petit peu plus vite. Parce que vous augmentez la vitesse. Pas de pompe Mélanie, ben désolé, hein, c'est fait quand même les pompes. Hein. Allez, courage. Ça s'est bien passé apparemment. J'ai l'impression que je brille avec ce rayon de soleil. Pas trop, hein, j'aime pas trop briller, c'est pas trop dans mes habitudes de briller. Ne brillez pas, gardez la tête froide. Restez humble et modeste. Allez, 3 petits dans l'ouverture. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Fixez bien les épaules. Allongez le cou. Gardez les abdos serrés, le dos plaqué. 7 petits. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, courage, encore, encore, 7. Cherchez l'étirement, n'oubliez pas de contracter là-haut, c'est pas assez dur, on peut même croiser. 7, 6, 5, 4, hop, croise. N'explosez pas les doigts entre les haltères. Hein. Ok, premier mouvement, 7 petits également, 7. 4, 3, et je vais pousser en face de moi. Là. Repoussez les charges vers le plafond, comme si vous poussiez le plafond. Encore. 7, 6, 5. Encore une fois 7. Pareil, hein, j'ai pas de charge, j'ai une manche à balai, je peux m'en servir. Ok, stop. Nouveau mouvement. Je vous montre,
C'est très très simple, on va amener les charges sur le côté de la poitrine. Essayez d'allonger les haltères à ras du sol, ramener vers le cœur et repousser vers le plafond. Vers le bas, sur le côté, vers l'intérieur, vers le haut. L'axe du cœur, le profil pour que vous puissiez vérifier à quel endroit je travaille. Pas aux oreilles, en face du cœur. Accélère, single. 1, 2, 3. Toujours l'option pour mieux plaquer le dos. Hey yo, flex. Ça vous permet déjà en plus d'engager un petit peu vos abdominaux. Allez. Fixez vos épaules écartées sur les côtés. Sans charge, j'engage, je serre et je pousse. Fulgure au point. Trop lent, on peut même accélérer, hein, sans charge. Sans charge, plus rapide avec charge, vous gardez le tempo lent. Hein. Attention les épaules. Là, c'est vraiment si j'ai pas de charge que je vais augmenter l'intensité, donc j'augmente le nombre de répétitions ou je réduis les temps de récupération, tout simplement. Allez, encore 4 lentes ou 8 rapides pour les autres. 7, 6, 5, encore 2 lentes pour ceux qui ont les haltères. 3 rapides pour les autres. 2, relâchez. Prenez un petit temps, ouvrez bien. Ramenez les genoux, relâchez un peu votre dos. L'arrière des bras dans la continuité. Alors d'abord sans charge, si je le souhaite, les mains au niveau du front, je viens tendre les bras devant moi et je fais une flexion jusqu'aux oreilles. J'allonge, attention à garder les épaules dégagées. Expire, inspire, contractez, ressentez le travail derrière vos bras, derrière vos triceps. Comme ça, finis les coucou mamie cet été. Vous allez remplacer cette graisse que vous allez faire fondre par du muscle, du tonique. Pour l'histoire, la graisse ne se transforme pas en muscle, le muscle ne se transforme pas en graisse. C'est juste le principe des vases communicants. Vous en diminuez un, vous faites grossir l'autre, ça prend plus de place, ça retend la peau. Single. Oh. Oh. Alors c'est pas bon pour moi hein, les lives Facebook parce que j'ai tendance à parler énormément quand je donne des cours de fitness. Et là, le fait de ne pas vous voir, je ressens le besoin de vous donner beaucoup plus de consignes pour m'assurer que vous ayez un maximum de choses pour travailler correctement. Donc vraiment désolé, hein. J'espère que vous ne pouvez pas trop le truc. Pour l'instant, vous êtes encore 12, donc c'est que ça tient bon. En haut, en bas, contractez-moi ici l'arrière de vos bras, gardez bien les poings dans l'axe. Allez, courage. Fort. 3 petits vers le haut. 3, 2, 1. Alors Dim, j'espère que tu m'as pris les 10 kilos pour faire ça. Tu m'as mis les deux ensemble et là tu t'engages derrière les bras. Hein. Oh, allez, 1, 2, 3. We are ready, yeah. Always ready to sweat. Parce que c'est ça le but du jeu, transpirer, prendre plaisir, vous amuser. Oh, allez. 4x3. Attention à ne pas monter les épaules. 2x3. Dernière. Ok, stop. Je pose les haltères de chaque côté. Je prends un petit élan pour revenir en position assise. On va terminer le travail. Les dips. J'ai ramené des dips pour l'apéritif. Tiens, ça tombe bien. Vous allez mettre les mains ici, là, près de votre corps, un peu plus large peut-être que vos épaules, ou même largeur. Vous allez serrer vos pieds, vos abdos, vous allez simplement emmener votre corps en arrière, gardez le ventre serré et repoussez dans les bras. Inspire, expire, step by step. Alors, option possible, si j'ai des petites haltères, j'ai la place en dessous, on peut se la jouer. Presque dips complet. Option pour les dames enceintes. Juste là, hein. Je recule, je pousse. En bas. En haut. You are my heroes today. Flex. Pousse. N'oubliez pas de penser à la contraction derrière vos bras. On
engagez bien. 4 fois encore. 3 fois encore. Attention sur la descente, je serre mes abdos, j'abaisse mes épaules. Allez, on va se faire 20 secondes de petits rapides à votre rythme. À votre rythme. Alors chez moi, ça va être comme ça. Peut-être que chez d'autres, ça va être comme ça. Mais j'aimerais vraiment que vous teniez 20 secondes. Si c'est dur, je relâche 2 secondes. Dès que ça va mieux, j'y retourne. Il y a 20 secondes à tenir. Peu importe, pause ou pas de pause. 10 secondes encore. Allez, on tient bon. On s'accroche, on s'accroche. Levez-moi les pouces. Non, ça va être dur. 3, 2, 1. Break, relax. Vous êtes assis sur les genoux. Étirez un peu vos bras. Ramenez le coude vers l'intérieur. La main sur le même omoplate. Changez de côté. Voilà, ouvrez la poitrine. Relâchez-moi ses épaules. Les mains dans le dos. Poussez. Vous avez des petites tensions dans le dos, dans les épaules. Vous pouvez aller chercher les mains devant. Poussez les fesses derrière. Ok, parfait. On va mettre un petit peu de fessiers, un petit peu d'abdominaux. On se met à merveilleux ou pas? Mettez-moi des petits pouces là-haut pour ceux qui veulent le merveilleux. À mon avis, il ne va pas y avoir beaucoup de pouces. Des pouces pour le merveilleux et des cœurs pour des fessiers un peu plus classiques, un peu plus cool. Ah, ah, ah. Je vois que vous n'aimez pas le merveilleux, hein. C'est moins version pouce. Ah, Dimitri, plutôt le merveilleux. C'est ma marque de fabrique, le merveilleux, hein. Ça, ça y est, tout le monde le connaît maintenant. Aïe, 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 là, j'ai un max de cœur. Pop, pop, pop. Bon, allez, ok, on va faire plus soft. Vous allez passer sur le dos. Coucou Véro, coucou Louise, coucou Mélanie. On continue, c'est top. Allez, go. À vos fesses, les amis. Vous avez toujours la place autour de vous. Attention, vous avez posé le matériel, pas vous cogner la tête. Les mains de chaque côté du corps, j'active déjà mes abdos, c'est bien serré. Vous appuyez dans le talon, vous levez vos hanches et vous laissez redescendre. Souffle et retiens. Pas de tension dans les épaules, mes épaules sont bien dégagées. Je pousse pas sur mes cervicales, je m'assure une bonne base de travail sur le haut du corps. Vous n'êtes pas les fans du merveilleux, vous, je vois que des cœurs depuis tout à l'heure. Allez, merveilleux, on se garde pour une autre session, une autre séquence. Et pour l'instant, je lève les fesses, j'aspire mon nombril, je serre mon bas-ventre. Si j'ai pas assez de charge, je travaille mes fessiers, deux options. J'utilise mes mains en pression vers le bas pour retenir mes hanches. Ou alors, je peux même utiliser mes petites haltères. Haut et bas. Alors, un exercice pour travailler deux choses. Ça dépend de l'amplitude avec laquelle vous travaillez. Soit vous allez chercher plus haut en gardant les abdos serrés pour ne pas vous pincer le dos. Dans quel cas vous engagerez vos fesses et vos lombaires, le bas de votre dos. Si vous travaillez plus petit, plus court, là, en serrant bien le ventre, en faisant la rétroversion du bassin, vous travaillez plus vos abdos inférieurs et vos fesses. Choisissez. Les genoux légèrement tournés vers l'extérieur pour cibler un petit peu plus cette zone-là. Les moyens fessiers à la culotte de cheval. Je vois les deux, je vois même du merveilleux. Allez, ça peut vous faire plaisir, peut-être à la fin, on fera un petit final merveilleux. C'est tellement merveilleux, le merveilleux. Le mien, hein, pas celui de chez Fred. Le merveilleux de Gaëtan. Exporté jusqu'en Égypte grâce à Dim. Dimitri, on va mettre un brevet là-dessus. Allez, encore 4. Encore 3. Toujours les abdos serrés. Petit rapide en haut. Alors, je suis sur l'extérieur de mes talons, sur cette zone-là. J'ai les genoux légèrement écartés et je pousse mes fesses vers le ciel. Hop, hop, hop. Épaules basses. Nuque allongée. 15 secondes. C'est pas tant l'amplitude qui compte, mais la manière avec laquelle vous contractez vos fesses. Au plus vous contractez fort, au plus vous donnez les bons angles de travail, au mieux vous allez définir votre fessier. Moi j'aime, c'est pousser
légèrement vers les côtés. Resserrez les fessiers vers l'intérieur et serrez fort. Allez, courage. Encore 10 secondes. 8. Arrêtez de vous accrocher à ce tapis, bon sang. Ok, fixez en haut. Gainez-moi ça. Allongez-moi ça. À partir de là, vous allez décoller la jambe droite. Élargissez vos bras pour trouver la statique, la posture, le maintien. Je pousse devant à droite et le ramène avec le ballon. Fesses. Abdomen inférieur. Fesses. Je garde les bassins décollés à 20 cm du sol. Pas de tension dans les cervicales. Attention, single, on décolle. Pareil, trop facile, n'hésitez pas à rajouter un petit mouvement de relevé de bassin dans la poussée. Attention le dos. Vous voyez, même moi je m'en dépose, hein, je m'hydrate, c'est dur, je récupère un peu, dès que ça va mieux, j'y retourne. Salut Morgane, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps, dis donc. Allez, 4, 3, 2, fixez le bout, j'appelle ça le gouvernail. Maintenant vous allez excentrer sur le côté droit et ramener au centre, extérieur. Intérieur, trop dur, option genou fléchi, plus court. Empêchez la hanche et la jambe d'appui de partir. Ouvre, ouvre, serre, serre. Gardez les hanches à plat, les épaules basses. Ventre rentré. Là, ça picote. Ok, reposez le pied à terre. Levez l'autre cuisse. 90, 2 en avant et 2 vers vous. Là j'active les fesses, là j'active le bas-ventre. Je pousse et je ramène. Souffle, inspire. Option, rajoutez à pousser dans le talon au sol pour engager vos deux fessiers. Allez, courage, on s'accroche, on y est presque. Il n'y aura plus qu'un petit peu d'abdos pour terminer. Yeah! Allez, single. Pousse. 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 Ramène. Si vous ne gardez pas assez de fesses décollées du sol, ça ne travaillera pas bien. Vous pouvez être un peu plus près du sol, un peu plus bas. Bougez un peu moins loin en diagonale, mais bougez. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, fixez au bout, côté milieu, côté milieu, ouvre, ouvre, option genou flex, j'excentre en gardant mes hanches à plat, en continuant à serrer le ventre, inspire, expire, ça commence à chauffer sur les côtés du côté du merveilleux. Allez, vous me la faites encore deux fois. Dernière. Je dépose le talon, je dépose doucement mes cuisses, je ramène les genoux, je relâche un peu les fessiers, le bas de mon dos. Allez, on va passer aux abdos. Le merveilleux, on se garde pour une session un peu plus cossue. Si on n'aura pas le temps de faire le ventre. Allez, mettez bien les mains derrière la tête, surtout vous ne croisez pas les doigts. Passage par la bouteille d'eau si vous le souhaitez. Trois petits pouces pour savoir si ça va toujours. Je place le mouvement. Pour appeler les abdos sans pression, je garde la plus grande distance entre là et là. Je ne vais pas vers l'avant, je vais plutôt vers le haut. Je n'oublie pas de serrer mes genoux. Monte, descend. Main, ici, au niveau du sommet du crâne, sans croiser, en ouvrant bien. Expire, expire, inspire. Faites-le partir du vent. Continuez à plaquer le dos. Si vous avez du mal à plaquer vos lombaires, genoux relevés, mais on garde la distance. Sommet de la tête, genoux. On raccourcit pas.
Vous voulez plus d'indications sur le pourquoi du comment je travaille des abdos comme ça sans pression? J'ai fait un petit live il n'y a pas longtemps. Taille abdos fesses, je vous explique au milieu de cette vidéo pourquoi et comment le faire de manière efficace pour limiter la pression intra-abdominale sur les organes internes et pas affaiblir votre périnée. On accélère. En. En. Ça va trop vite? Travaillez plus court. Rentrez le ventre. Ne tirez pas sur la nuque. Utilisez le ventre. Pas la tête, pas les bras. Engagez-moi ce centre. Allez. Toujours 11. On est bon, on est bien. Yeah, right. Up. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Fixez en haut. Droite. Ramène. Gauche. J'ai le centre légèrement vers l'avant. Je continue à allonger ici. Je regarde vers le haut. Je soutiens mon cou. Hop. Hop. Ok, si vous êtes à l'aise, alternez. Droite. Gauche. Droite. Gauche. C'est comme si mes abdos inférieurs soutenaient mes cuisses. J'essaie de faire partir du ventre, pas des jambes. Allez. Voilà, c'est ça, courage. On tient bon. On garde le dos bien plaqué surtout et le buste allongé. Climat 19, Dimitri, chez toi. Pas demandé dehors combien il fait. Ben, nous, ouais, je pense qu'il doit faire un petit 15-16 à l'extérieur. Mais il y a un petit vent frisqué le matin, il faut vraiment être plein soleil. Là, sous la baie, ça donne bien, mais... Allez, donnez-moi un peu plus de vitesse. Droite, gauche, droite. Voilà, sans aller trop loin, c'est difficile. Je vise la diagonale vers le haut. Si ça va, je peux aller chercher plus bas. Si c'est trop lent, je peux accélérer, mais que le bas. Choisissez votre option. Celle qui vous va le mieux. Même si c'est là, ou si c'est là, ou là, moi ça me va. Et donnez-moi tous un petit peu plus de rythme. 15 secondes. 15 secondes pour rythmer tout ça. 12 secondes. 10. 8 secondes. Allez, ça chauffe ici en bas. Soufflez, respirez. 5, 4, 3, 2, 1, tendez les jambes, tendez les bras ouverts. Oh. Allez, les côtés sur un petit gainage. Facile, tranquille. Pourquoi il dit aïe 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 dans la musique? Ah, oh, j'ai mal compris, c'était pas aïe aïe. Allez. Ici, le coude juste en dessous de l'épaule, le poids du corps dans le coin, bas vers l'arrière. Levez juste le bras, vous fixez ça. Cherchez à creuser ici en dessous. Vous trouvez ça simple, vous pouvez passer sur les orteils, éventuellement rajouter la cuisse, c'est comme vous voulez. Si au contraire c'est dur, restez en bas, tenez. Gardez-moi ça serré, comme si on pouvait passer en dessous de vous. Ouvrez vos épaules, grandissez-vous. 4, 3, on va rajouter 8 petits mouvements de hanche, en haut, en bas. 7, vous trouvez ça dur, démarrez plus près du sol, utilisez le bras, encore 4, 3, 2, 1, relâchez doucement, passez vers le ventre. Gainage ventral. Très fonctionnel, plus fonctionnel que les crunchs classiques qu'on peut faire. Ça donne du maintien, de la tonicité au niveau du bas du ventre et c'est fonctionnel. Plaquez le tapis sous vos fesses. Écrasez quelque chose en dessous de vous avec vos fessiers contre le tapis. Mettez les mains sous vos épaules. Allongez votre cou. Les coudes sont à largeur d'épaule. Je vais décoller le bassin. Poussez vers l'avant. Contractez à l'intérieur de mes bras, à l'intérieur de mes cuisses, dans mes fessiers. Tout est serré, même les cheveux. Option pointe de pied.
Allez, on est parti pour 30 secondes. Bonjour Émilie, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir le cours en entier, je mettrai en replay, il n'y a pas de souci. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube, vous pourrez le retrouver sur ma page Gyms Coaching. Et elle sera encore en replay sur le groupe Espace Détox. Allez, 15 secondes encore. N'hésitez pas à prendre les options sur les genoux, mais continuez à tenir. Allez, courage. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, on va chercher vers l'avant et vers l'arrière. Je force le corps vers l'avant, j'allonge mon cou et je reviens. Si c'est trop lent, vous pouvez accélérer. Hop, l'idée, c'est d'excentrer un peu plus votre poids de corps pour obliger vos abdos à faire le maintien, empêcher le dos de se casser. Voilà, 8, 7, 6, ou alors 4 lentes, ou 2 lentes, 3, 2, 1, relâchez, poussez derrière vos fessiers sur vos talons. Good job, c'est bon ça, il ne reste plus que l'autre côté à faire. Allez, dernier côté, n'oubliez pas, le poids de corps, pas dans le dos, pas dans l'épaule, plutôt sur le poing, sur l'avant. Pas trop là, plutôt ici, dans l'axe. En place. Les mains et genoux, abdos serrés. Ouvrez. Cherchez à donner de l'ouverture sur vos épaules. Gardez la tête dans l'axe de votre corps. Rentrez loin. Option numéro 2, sur les pieds. Pour les plus costauds d'entre vous, pourquoi pas aller chercher ici. Allez, encore 15 secondes. N'oubliez pas l'option. Don't let me down. Ne laissez pas tomber, on tient bon ensemble. 8 petits mouvements de hanche. On y va, c'est parti maintenant. 8, 7, 6, toujours l'option. 5, 4, 3, 2, relâchez. Passez en position assise, relâchez un petit peu vos épaules, étirez-moi ça. On va se prendre une petite pause avant le stretching final. J'espère que ça s'est bien passé. Balancez-moi des petits pouces, des petits cœurs si ça va. Montrez-moi que vous êtes encore là, que vous avez aimé. Tiens un peu derrière. De l'autre côté. Allez, on passe une dernière fois par la bouteille d'eau. On se fait un petit étirement pour relâcher toutes les tensions, relâcher tout ça. Débarrasser le dance floor. Allez, on ajuste la musique. Voilà. Bien. C'était parfait, j'espère que vous avez bien travaillé. Moi, je sens le travail sur l'ensemble du corps. Je ne me sens pas trop éreinté, même si ça a bien bossé, que ça a travaillé un petit peu. Prenez le temps de la récupération des étirements, c'est important. Vous vous blesserez un peu moins que les autres, la récup sera accrue. Et puis surtout, vous allez regagner un peu en ouverture. Ça marche? Allez, on se fait un petit stretch. Je vous laisse vous placer sur vos tapis, sur le dos. Voilà, ramenez les genoux à la poitrine, relâchez vos lombaires, abaissez vos épaules, respirez. Mais placez vos bras en croix de chaque côté, laissez partir vos genoux sur votre droite, retenir la descente, ouvrez vos deux bras, vous inspirez, sur l'expiration, vous ramenez le genou un peu plus vers vous. Voilà, parfait. On ramène une jambe à la fois au centre avant de changer de côté. J'inspire et sur l'expiration, je prends le temps de repartir, de redescendre les deux cuisses ensemble. Déposez-le au sol. Relâchez vos épaules et soufflez.
Votre respiration va vous permettre de vous calmer un peu plus, de calmer votre intérieur. Voilà, vous ramenez une jambe à la fois au centre, vous allez garder la jambe droite à la poitrine, tendre la gauche à terre, plaquer fortement contre vous. On relâche le fléchisseur de hanche, on tend la jambe. Voilà, vous allez ramener le talon qui est au sol plus près de vous, tendre la cuisse vers le plafond. Je vous rappelle qu'il est important d'avoir la jambe la plus tendue possible pour que ça étire bien tout l'arrière de votre cuisse. Ne décollez pas les fessiers, soufflez. Pointe du pied fléchi, j'inspire et sur l'expiration, je viens chercher un peu plus près. Appréciez l'étirement derrière votre cuisse. Relâchez les tensions musculaires. Talon sur genou, je passe les mains par la petite fenêtre et je ramène le bloc des cuisses vers moi. Relâchez vos fessiers. Parfait. Là, on relâche tout le bloc qui s'insère sur le bas de votre dos, vos fessiers, vos lombaires, un peu la hanche. Ok, parfait. Vous pouvez reposer le pied à terre, on change de côté. Cette fois-ci, jambe gauche à la poitrine. Je plaque, j'étire. Calmez votre intérieur, respirez. Donnez de l'espace dans vos articulations. Rapproche le talon des fessiers si besoin. Extension jambes au plafond, pointe de pied fléchie. Attrapez l'arrière de la cuisse, ramenez les jambes tendues. Expirez. Pas la peine d'amener le front au niveau du genou, le genou au front, si jamais la jambe n'est pas tendue, ça ne sert à rien dans l'étirement. Il faut mieux être là, bien étiré que là. Allez, talons sur genou posés ici, je vais ouvrir un petit peu, je passe les mains à l'intérieur, je ramène le tout vers moi et je relâche le fessier. Soufflez bien. Finalement, ces petites musiques là, je trouve ça pas mal. C'est des droits d'auteur. Ça a l'air plutôt sympa. Vous mettrez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. J'ai trouvé une piste d'une heure, donc c'est pratique. Ok, cette fois-ci, je ramène à nouveau les deux genoux contre moi. Je relâche encore un petit peu. Des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Vous allez venir écarter les jambes sur les côtés. Gardez les mains à l'extérieur des genoux. Ramenez les genoux vers vous. Et tirez vos adducteurs. Ça ne tire pas suffisamment. J'ouvre, j'inspire, j'expire les mains dedans. Et je pousse un peu plus sur les côtés. Gardez le dos plaqué, les épaules dégagées. Soufflez. Bon, j'avoue, celui-là ne prête pas trop au calme. La musique est un peu blan-blan. J'ajusterai pour la prochaine session. Hein. Fléchissez, ramenez délicatement une jambe à la fois. Prenez un petit élan. Venez vous asseoir en bout des tapis. Allez. Et mettre les mains ici derrière vous, les doigts vers l'arrière, les pouces sur les côtés. Vous allez chercher à éloigner vos fessiers de vos mains en gardant le buste bien grand et les épaules ouvertes. Ouvrez à la poitrine. Ça tire sur les avant-bras, sur les biceps, sur le buste, chaîne antérieure. 20 secondes par étirement pour bien relâcher. Je ramène les fessiers, je relâche un peu tout ça. J'attrape mes genoux et je vais venir arrondir mon dos. Basculez pas derrière, vérifiez que vous avez de la place. Rien pour vous cogner la tête. Écartez les omoplates. Je vous proposerai très certainement la semaine prochaine un petit cours de stretching avec une relaxation à la fin. Allez, vous allez vous relever tranquillement. Ici, toujours face à votre écran, vous allez attraper la cheville, n'hésitez pas à vous accrocher à quelque chose. Je vous rappelle, vous avez pris un manche à balai tout à l'heure, ça peut servir. Serrez les genoux, pliez la jambe d'appui et tirez l'avant de la cuisse. Excellent. Et la même chose de l'autre côté. Vous voulez que ça tire davantage, vous serrez vos fesses et vos abdos. Vous plantez le genou dans le sol, très fort. Gardez votre buste ouvert. Respirez.
Excellent. Allez, ici, inspirez, montez les bras, poussez vers le haut, ouvrez le haut de votre dos. Rentrez le menton, poussez le dos rond, poussez loin vers votre écran. Vos épaules sont abaissées, vous rentrez la tête, vous plongez dans l'écran, vous nous rejoignez. Vous allez laisser les bras descendre jusqu'en bas. Rapprochez le front des genoux, relâchez vos épaules, vos bras, les détendre un peu en les secouant. Vous allez fléchir un peu vos genoux, déroulez le dos jusqu'aux vertèbres par vertèbre. Ouverture poitrine. Pour étirer les biceps, vous allez tourner les pouces vers l'arrière et vers le bas. Poussez vers l'arrière, vous grandir. Vous allez replacer le tout tranquillement. Voilà, ça c'est fait. J'espère que vous avez tous passé une bonne petite session de renforcement ce matin, que vous êtes en pleine forme. Envoyez-moi des petits commentaires. Dites-moi comment vous vous sentez par rapport à cet entraînement. Après ça, est-ce qu'il y a suffisamment d'options? Prenez un petit temps là pour récupérer, pour vous réhydrater. Voilà, voilà, j'espère que ça l'a fait. Envoyez-moi également des petits commentaires pour me dire quand est-ce que vous serez dispo cette semaine. Est-ce que vous suivez déjà mes pages Facebook, Instagram et YouTube sur laquelle vous pouvez avoir un petit peu plus de contenu. J'envisage de faire des petits lives aussi sur la diététique, sur les manières de prendre soin de soi. On se fera peut-être un petit live si ça vous intéresse un soir sur quels sont vous, vos petits gestes, formes de la journée. Est-ce que vous voulez partager est-ce que vous faites de bien pour avoir un peu plus de peps dans cette période un peu particulière? Ouais, ça pique un peu les bras à le dire. Je sais pas ce que tu avais pris comme charge. Je sais que certains avaient pris également des kettlebells de 3-4 kilos. J'espère que le manche à balai vous a pas trop rappelé le ménage. Bien, bien, bien. Tiens, dites-moi également si chez vous, vous êtes plutôt derrière un écran de téléphone, derrière un PC, derrière une télévision. Là, sur Facebook, le live se fait dans ce format-là parce que ça se prête plus facilement. La plupart des gens regardent leur Facebook sur un téléphone. Par contre, sur les YouTube, quand je les mets en publication, j'ai du mal à élargir. Pareil, hein. S'il y a des gens qui maîtrisent bien la chose, qui ont des petits conseils à me balancer, n'hésitez pas. Sinon, j'essaierai par la suite de faire un live Facebook en instantané avec mon live Facebook YouTube dans l'autre sens pour avoir quelque chose plutôt panoramique. Téléphone. Alors, je ne sais pas ce que tu as comme smartphone, Mélanie. Alors, est-ce que c'est the téléphone ou est-ce que tu vois bien? Est-ce que musicalement, c'est correct? Est-ce que la connexion est bonne? En tout cas, c'est sympa de vous avoir tous ensemble ici sur ce petit groupe. Encore merci à Susanna hein, qui m'y a cordialement invité. Mon Insta Pro, c'est la même chose. J'ai toujours la même appellation. Gyms, G-Y-M-S, coaching. C'est exactement le même nom partout. Hein. J'ai fait simple. Voilà, je vous remettrai tout ça de toute façon en commentaire, en détail. Toujours un grand merci à ma petite femme. Si en ce moment vous avez des petites envies de shopping, de vous vider un petit peu la tête, alors je sais que salaire, conjoncture, etc., c'est pas top. Vous avez toujours la possibilité d'aller jeter un petit œil sur son Instagram ou sur son site internet directement, les emplettes de Mzel, mademoiselle M-Z-E-2-L-E, Louise. Louise qui est ma petite puce qui nous regarde certainement derrière la télé. Je te refais encore un petit coucou, ma chérie. J'espère que tu es en forme. On va s'occuper cet après-midi, faire des jeux, etc. Voilà, voilà, voilà. Apparemment, Dimitri en Égypte, c'était nickel. Ça passe bien. Balancez-moi des petits pouces si jamais vous avez aimé, des petits cœurs. N'hésitez pas à taguer également vos amis sur les vidéos. Pour ceux qui veulent la revoir, partagez. C'est une période de partage. Hein. Montrons que nous ne soyons pas égoïstes et pas trop sur cette donne pognon en ce moment. Hein. L'économie est un peu à terre. Je pense que ce qui va sauver les gens, c'est vraiment cette bonne humeur et ces petites interactions qu'on peut tous avoir ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Essayez d'avoir des petites attentions pour les gens que vous ne voyez pas en ce moment. Un petit coup de téléphone. Moi, ce matin, j'ai envoyé un petit message de soutien à mon médecin que je n'ai pas vu depuis longtemps et tant mieux. Je lui souhaite beaucoup de courage à Mathieu. Et voilà, voilà, ils sont en première ligne. Ils ont des familles également, donc soutenez-les.
J'espère que tout ce grand enthousiasme continuera post-confinement et qu'on s'en ressortira tous plus forts. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas également à me partager peut-être des petites photos de vous si jamais vous avez des photos de vous en train de pratiquer devant vos écrans, même en replay avec un petit tag à taguer des amis, la page Gyms Coaching. Voilà, voilà, voilà. Je vous remets tout ça de toute façon en lien sous la vidéo, sous le replay. Je vous prépare des petites choses pour la semaine prochaine, un cours de stretch, relaxation, il y aura un petit HIIT, haute intensité, il y aura peut-être un cours de strap training pour les gens qui disposent du fameux TRX, les sangles de suspension, si vous avez de quoi vous connecter chez vous. Voilà, en attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas le Let's Sweat Baby, passez un excellent week-end, prenez soin des vôtres, profitez-en, et que l'amour soit plus fort que le reste. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et encore merci pour votre suivi. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.